Bonsoir, chers amis. Bonsoir et merci encore une fois d'être présents. Alors, il y aura, pendant ces moments que nous allons vivre ensemble, des chants et des pièces interprétées en français. Donc, celles-ci, pas besoin de les traduire, hein. Par contre, nous aurons aussi des morceaux, des pièces en anglais et en allemand, avec Mendelssohn, hein, notamment. Et donc, dans ce cas-là, pour vous qui, comme moi sans doute, ne parlez pas parfaitement la langue de Shakespeare ou la langue allemande, ce qui est encore moins mon cas, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez bénéficier d'une traduction qui sera projetée sur l'écran. Et toujours, au cœur de ces textes, la liberté. Je me suis réveillée ce matin en pensant à la liberté. On ne peut détester ses voisins lorsqu'on aime la liberté. Avançons et parlons en étant attachés à la liberté. Dieu est le maître de mes pensées. Je me suis réveillée ce matin en pensant à la liberté. Donne-nous la paix dans ta grande bonté, Seigneur, tant que nous vivons. Personne d'autre ne se pourrait battre pour nous que toi seul, notre Dieu. Et si j'étais née en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleure ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Quand le peuple d'Israël était en Égypte, opprimé au point qu'il n'en pouvait plus, le Seigneur dit « Va, Moïse, rends-toi en Égypte, va demander au vieux Pharaon de laisser partir mon peuple. » Moïse descendit en Égypte, il dit au Pharaon « Laisse partir mon peuple, sinon je frapperai à mort ton premier-né. » Il dit au Pharaon « Laisse partir mon peuple. » Le monde m'interpelle et me touche. Le désespoir semblerait déplacé et déshonorerait ceux qui m'ont précédé. Alors, accorde-moi la lumière pour que je puisse changer. Voilà, nous avons beaucoup parlé. Oui. Maintenant, peut-être place à la musique et sans plus attendre, avec nous ce soir... Le groupe Three Voices, gospel, folk... Voilà, faut pas dire blues, faut dire folk. Gino va se joindre à nous pour celui-ci. I woke up this morning with my mind. Mind it was stay on freedom. I woke up this morning with my mind. My mind it was stay on freedom. Well, I woke up this morning with my mind. And it was stayed on freedom. Hallelujah. 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 Well, you can't hate your neighbor with your mind when your mind's stayed on freedom. You can't hate your neighbor when your mind, well, when your mind's stayed on freedom. You can't hate your neighbor when your mind, when your mind's stayed on freedom. Hallelujah. 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 Well, you've got to walk, 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 walk. Walk, walk, walk with your mind on freedom now. Talk, 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 talk the talk, 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 keeping your mind on freedom now. Walk, walk, everybody walk, walk. You've got to walk, walk with your mind on freedom. Hallelujah. 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 God is the captain of my mind, keeps my mind stayed on freedom. Well, God is the captain of my mind, he keeps my mind stayed on freedom. God is the captain, he's the captain of my mind, he keeps it stayed on freedom. Hallelujah. Hallelujah. Up this morning with my mind, it was
before you with my mind it was state of freedom. Woke up this morning with my mind it was state of freedom. Oh.
fait à Leidenstadt, sous les ruines d'un champ de bataille. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, l'arme au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une classe, les jeux de l'enfance envers et contre les miens, de trahir, tendre une main. Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sous les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et qu'on nous épargne à toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Maintenant, nous allons chanter une chanson pour les droits de la terre. This spot you're standing is holy ground. These words I heard in a burning bush. This place you're standing is holy ground. I heard a fiery voice speak. The spot you're standing is holy ground. This earth is holy, holy ground. Every little inch is holy ground.
Maintenant, un vieux gospel écrit en 1950 quelque chose. Operator, Operator, Information,
information. Stéphanie Lacour, et Myriam Altamar qui nous aide aussi, Vlad Kostas au piano. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Let that lonely feeling wash away. Maybe there's a reason to believe you'll be okay. And when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand. And oh, someone will come running. Yes, I know they'll take you home. Even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you reach up and you rise again. Lift your head and look around. You will be when tears are weak.
Merci. Merci à Three Voices. Alors, Three Voices augmenté, parce que vous avez vu, il y avait Myriam en plus, il y avait Gino en plus. Évidemment, comme d'habitude, nous avions Vladimir qui les accompagnait. Merci encore à eux. Vous avez raison. Maintenant, je voudrais accueillir pour cette seconde partie l'ensemble vocal Crescendo. Voilà, ils vont rentrer, s'installer pendant que je vais essayer de meubler. Voilà, donc à part dire que c'est un ensemble vocal extraordinaire, magnifique, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre souvent à Neuilly, vous dire aussi également que cet ensemble sera accompagné au piano par Gino Montille. Merci à lui, et dirigé bien entendu par Christian Tchoukin, que vous connaissez aussi. Voilà, merci en tout cas à l'ensemble vocal Crescendo de participer à ce moment également. Voilà, je leur laisse la place pour cette seconde partie.
Thank you.
On voulait vous laisser une petite bénédiction finale avant une autre surprise finale. Pardon de vous avoir coupé avant. Mais vous savez,
histoire un jour qui dit que au ciel, dans le bureau où on gère les demandes, il y a beaucoup de travail. Et beaucoup de gens sont affairés pour toutes ces personnes qui demandent et qui attendent quelque chose. Par contre, il y a un bureau où il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent, c'est le bureau des remerciements. Et j'aimerais ce soir vous inviter tous ensemble à remercier tous ceux que vous ne voyez pas, qui ne sont pas sur la scène, qui ne sont pas sous les projecteurs, qui ne sont pas forcément là où vous les attendez, là où vous les voyez, mais qui sont présents dans cette église et qui ont fait que cette journée a été une journée magnifique. Nous voulons remercier toute l'équipe de la communication, du diaconat, toutes les personnes qui sont... Merci pour eux. Et bien sûr, on me dit dans mon micro qu'il y a encore une petite surprise. C'est la surprise après la surprise. Alors je leur laisse la place. Merci encore. We shall overcome.
À la maison. Il y a des CD qui sont à vendre à l'extérieur, je crois qu'ils sont au prix de 20 €. Et puis, encore une fois, merci de votre présence. Merci à vous tous, parce que c'est beaucoup de travail ce que vous avez entendu. On peut les applaudir encore une fois. Et puis, surtout, rendez-vous très bientôt, puisque si vous avez aimé, il faut revenir. Le 8 décembre, ils seront là, encore une fois, avec le Messie de Handel. Donc rendez-vous le 8 décembre. Et puis, sinon, ben, écoutez, il y a une table à l'extérieur. Vous pouvez prendre, il y a des prospectus pour tout ce que cette église organise. Merci d'être venus et rentrez chez vous à bon port. Nous vous souhaitons un bon retour et une bonne fin de soirée.